Vivez votre bon sport avec Intersport Gap et après votre sport, venez vous détendre chez Oasen Spa à Gap. Oasen Spa et Intersport à Gap vous présentent. Le premier exercice, c'est le squat. On va descendre comme si on allait s'asseoir en arrière. On pousse les fesses en arrière. On a le poids du corps sur les talons. On tient bien son dos. On est un petit peu penché en avant pour l'équilibre. Là, on va protéger ses genoux. Pas trop en avant. On est toujours vers l'arrière. Et là, on va sentir l'échauffement et bien sûr le renforcement des cuisses. Quand on remonte, on va aussi ressentir le renforcement des fesses. Donc, on s'assoit. Et on repousse, on va souffler à la montée. Je descends et je repousse. Et je descends, je m'appuie dans les talons et je remonte. Allez, c'est parti, on va le faire ensemble. Alors, on est parti pour les squats. On va aller s'asseoir, pousser les fesses en arrière, s'appuyer sur les talons. On est parti? Tout doucement, tout doucement. Là, on va loin en arrière et on repousse. Encore, loin. Et repousse. Attention de ne pas bloquer les genoux. On est tout souple sur les genoux. On s'appuie, poids du corps sur les talons. Souffle à la montée. Attention, on va accélérer un petit peu plus vite. Yep. On va sentir les cuisses se chauffer un petit peu. Ça va brûler et au fur et à mesure. C'est normal. Attention, on reste en bas des tout petits. Reste, reste. Là, ça brûle un peu plus. Allez, c'est OK? Ah, restez bien en arrière. On tient son dos. Baisse les épaules. Là. Reste. Reste. Encore. Encore. Remonte et repart. Deux. Et repousse. Hop. Et souffle. Loin en arrière. Toujours en arrière. Poussez les fesses. Très loin. Il y en a quatre encore comme ça. Quatre. Je pousse. Et pousse. On peut garder le sourire, hein. Hop, hop. Même si ça commence à chauffer, je repousse. Alors, le conseil pour bien réussir les squats, c'est de toujours aller pousser ses fesses en arrière. On va pousser les fesses en arrière, s'asseoir. On doit sentir, de toute façon, le travail des cuisses et bien repousser. Aller lentement au début pour bien prendre l'habitude et surtout aussi tenir son dos. Donc, je conseille de faire 8 répétitions, bien comme il faut, et puis de les répéter 4, 5, 6, 7, 8 fois même, selon notre forme du jour. Attention, plus rapide, on y va sur eux. Yep, repousse. Yep, allez, poussez les fesses en arrière. Souffle, hop, souffle. On tient son dos, le dos est à plat. Très bien, repousse et souffle. Attention, les rapides, ça va brûler. Yep, voilà. Ouais, ouais. Et repousse. Encore, 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 encore. Yep. Yep. Allez, on tient. Poussez dans les talons. Allez, repousse à fond. Yep. Je tiens jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et remonte. Talons fesses. Yep. On détend un petit peu les cuisses. Là. C'est la petite pause. Alors, la deuxième partie, c'est les fentes. On va reculer un pied très loin en arrière. Vous restez pied largeur du bassin. On va descendre tout doucement. Poids du corps sur la cuisse de devant. Remontez tout doucement sans bloquer le genou. Je descends et je repousse. J'appuie devant et je repousse. J'appuie devant et je repousse. Attention, le poids du corps est ici. Le pied reste à plat devant. Soufflez bien. Et pour la jambe de derrière, elle est souple aussi, on plie bien le genou de derrière. Attention, on y va plus rapide. Hop. On reste bien droit, on baisse les épaules, pensez à souffler. Ça va chauffer un petit peu plus. Attention, carrément en bas, tout petit. Hop. Reste, reste.
reste. Là, commence à bien sentir le renforcement de la cuisse. Toujours bien souple et toujours parallèle. Les genoux et les chevilles remontent de temps. Hop, tout doucement, souffle. Allez, on appuie, reste et repousse. Allez. Ça va toujours? Même pas mal. Attention, plus rapide. Yep. Encore 4, je repousse. Hop, souffle. Allez, souffle. Et là, ça va brûler. Rapide. Reste, reste, reste. Encore, encore, encore. On est solide. Allez, allez. Encore un tout petit peu. Allez. Reste, reste. Et on remonte. Talons fesses. Ça, c'est la petite pause. Soufflez bien. On étire les cuisses, on les détend. Alors, il faut équilibrer les côtés. On est parti de l'autre côté. On marche un petit peu en souffle. On reste toujours largeur du bassin. Et on est reparti. On se replace bien de face, bien droit. Et on y va. Souffle. Appuie toujours poids du corps devant et repousse. Reste ici, pied à plat, repousse le sol. Yep. Souffle, il y en a encore 4. Et oui, allez. Souffle. Yep. Bien. Allez, encore un tout petit peu. On accélère sur un. Yep. Souffle, souffle, encore. Bien souple les genoux, toujours, toujours. C'est les muscles qui travaillent. Allez, yep. Attention les rapides, reste en bas. Hop.